nécessaire. Donc la cadence du mouvement et l'utilisation de la force doivent être introduites et liées aux exigences de la compétition. So, there is in the technical training, the technical training is divided into five steps. So the first step is the improvement of the technique under easy and constant conditions. The movement must be repeated under constant conditions with a weak to medium deployment of strength, allowing for rapid success. The external load must be adapted to the technical level of the player, because in the event of request of an exaggregate force of a too high frequency of movement, there is a danger that fault appear. This can also happen in case of fatigue. It is necessary to develop an excitation in all optimal way, which is essential for the formation of differentiations. Otherwise, the fatigue generated leads to dispersions of the movement. The player using the auxiliary muscles, in this case, it is better to stop the exercise and use other exercises for the development of motor qualities. So the second point is, our step is the consolidation of the technique together with the gradual increase in the rate of movement and strength. It is not necessary to prolong or to extend technical training under easy conditions when it is not necessary. The rate of movement and use of force of strength should be introduced and linked to the demand of the competition. La troisième étape, donc c'est la consolidation de la technique en présence de conditions externes variables. Les modifications externes influent sur la qualité de la technique. Utiliser un matériel inaccoutumé, perturbant la précision, pour lesquels les volleyeurs doivent se préparer, donc influence du public, de l'adversaire, des conditions climatiques, etc. Donc, la quatrième étape, ce sera la consolidation de la technique dans des conditions rendues difficiles. Donc, le joueur, les volleyeurs, doivent s'entraîner dans des conditions plus difficiles que celles rencontrées lors de ces compétitions. Et la dernière étape, donc, c'est la vérification et la consolidation de la technique dans les compétitions d'entraînement et, bon, bien sûr, officiels, donc les matchs de préparation ou les matchs officiels. Donc, la technique doit être contrôlée lors des compétitions où l'ensemble des conditions réunies. Des directives précises doivent être données afin que le joueur porte son attention sur leur mise en application lors du match. So, the third step is the consolidation of the technique in the presence of variable external conditions. External modification influence the quality of the technique using unusual equipment, disturbing precision, for which volleyball players must prepare influence of the public, opponents, weather conditions, etc. The fourth step will be the consolidation or strengthening of the technique in difficult conditions. Volleyball players must train in more difficult conditions than those encountered during these competitions. And the last one will be the verification and consolidation of technique in training and official competitions. So the technique must be checked during competition where all the conditions are met. Precise directives must be given so that the player pays his attention to their implementation during the match. Et donc finalement, on va dire que la formation du jeune joueur doit être rigoureuse pour éviter de corriger les gestes mal acquis. Cependant, lors de l'apparition de certaines fautes, il faut rechercher les causes dans un premier temps, puis procéder à leur correction. So at the end, what you can say that the training of the youth players must be rigorous to avoid correcting ill-gotten gestures. However, when certain faults appear, it is necessary to seek the causes first, then proceed to their correction. So I just asking if Blaise fixed his issue or not yet.
in order to continue. Yes, please, Mohammed, could you please ask ma'am to check the microphone? Yeah. Yes, ma'am. C'est bon? Ou je continue? So it will be difficult, but on va continuer. On va continuer. Tu m'entends bien? C'est difficile. C'est difficile. Je continue, on va sauter sur le deuxième chapitre et après on verra. So, donc les causes et les fautes. Donc les causes sont diverses par rapport à tout ce qu'on a vu au préalable. Donc les causes sont diverses et ont pour origine des aspects suivants. Donc, il y a la non-compréhension des tâches demandées et fausse image du mouvement chez l'athlète. Donc, il y a aussi les sensations musculaires imprécises entraînant de fausses informations dans l'accomplissement du mouvement, comme carence dans la préparation physique peut-être. Il y a la peur de rater le geste technique. Donc, Mr. Blaise, il a donné l'exemple de l'attaque. Donc, interférence d'aptitudes cinétiques anciennes développées et gênant l'acquisition de nouveaux mouvements. Et donc, il y a l'imitation des aînés ou des anciens, donc, ou des idoles, donc gestes mal réalisés. Et puis, il y a les moyens pédagogiques utilisés qui sont inappropriés. So, there is a pack of reasons, of causes. So the causes are diverse and originate from the following aspects. So the first aspect is the lack of understanding of the tasks requested by the sports image of the movement. The second one is imprecise muscle sensations, self-formation when performing the movement, lack of physical preparation. Third cause will be fear of missing the technical attack. Somebody should mic, please. Il y a quelqu'un qui peut juste fermer le mic. So the fourth one is interference of old kinetic skills developed and hampering the acquisition of new movements. Then the imitation of the elderly, poorly done gestures. So sometimes we have a hero, we need to just to imitate him and the execution is not that much good. Inappropriate teaching, so the educational and pedagogical aids. So, maintenant, quelles sont les corrections qu'on peut apporter à ces erreurs ou à ces causes? Donc, il y a la première correction à pouvoir apporter, c'est la comparaison du faux et du correct. Donc, à travers des films, des vidéos, des enregistrements vidéo, des films ou des carrément assister à des matchs. Donc, donner des explications claires de la structure du geste technique, habituer le joueur à prendre conscience du mouvement effectué, donc une image mentale, donc exacte du geste, mettre en confiance et en lui permettant la réussite, donc il faudrait surtout encourager cet athlète et donc le mettre en confiance, exagérer les conditions de correction afin de dissocier les mouvements anciens des nouveaux. Et enfin, utiliser un matériel adéquat. Donc, so in order to correct the faults, what is essential is to make a comparison of the faults and the correct according to some videos, clips, films, etc. Give clear explanations of the structure of the technical gesture. Accustom the player to become aware of the movement performed, exact mental image of the gesture or the skill. Build confidence by allowing him to succeed. So this is also very important to give confidence to the athlete to make him in the best environment ever. Exaggerate the correction conditions in order to dissociate the old movements from the new ones and use the suitable equipment. Et donc là, on rentre dans une autre étape, hein,
qui est le contrôle et les tests. So, pour apprécier la technique, il est important de mettre en place un système de contrôle et de gestes nécessaires pour évaluer le degré de maîtrise. Il peut être de deux ordres, surtout au niveau des débutants. Donc, au niveau du débutant, il y a, on va dire, deux options. Donc, c'est l'exécution du geste, donc la mécanique du mouvement. Il y a l'efficacité du geste et donc sa réalisation. Pour le niveau avancé, on peut aussi inclure la réalisation dans des conditions de jeu. Donc, les conditions de jeu, donc le game-like, etc. Inspection and test, which is very, or control and test, which is or control and assessment, very important. So to appreciate the technique, it is important to set up a system of control and tests necessary to assess the degree of mastery. It can be of two types, especially at the beginners. So for the beginners, we will use two types, the execution of the gesture, so the movement mechanics, and the effectiveness or efficiency of the gesture achievements. Then for the, let's say, for the more advanced level, we will also include achievement in playing. So just finish the first part. I would beg and I would invite Mayam if he can interfere, if he fixed the issue. Merci, Mohamed. Vous avez très bien conclu le travail et je vous en remercie. Je crois que vous m'entendez très bien. Oui, parfait, parfait. It's good. Je crois que les différentes personnes, les différents entraîneurs ont compris les cinq étapes de la formation technique, le perfectionnement technique dans les conditions difficiles, la consolidation de la technique en utilisant la cadence avec augmentation de la cadence et de la force, la condition de la technique dans les conditions variables et les conditions difficiles, et enfin l'exécution de la technique dans les conditions d'entraînement et les conditions de compétition. Je crois que vous avez trouvé très bien, vous avez bien expliqué ce qui se passe par rapport aux différentes fautes, aux conditions de leur faute et les situations de contrôle et de test pour les jeunes joueurs et les joueurs avancés. C'est bon. Je peux continuer, c'est bon? Bah, continue, Mayam, continue. Voilà. Les étapes de la formation tactique. Nous avons pensé ici que nous avons trois étapes. La première étape, maintenant que le joueur a déjà la possibilité de faire, d'exécuter de bons gestes techniques dans une efficacité de gestes, dans la réalisation des conditions de jeu pour les joueurs les plus avancés, le joueur dans le processus de formation commence par les jeux mineurs, le 1 contre 1, le 2 contre 2, jusqu'au 6 contre 6. Dans cette étape, l'encadreur insistera sur le recrutement cumulatif des notions telles que le renvoi de balle, l'anticipation des déplacements, les déplacements latéraux, les déplacements avant-arrière, la disponibilité, la passe avant, la passe arrière, etc. À la fin de ce processus de l'étape 1 de formation, le joueur doit être capable de jouer à tous les postes, particulièrement sur le système 06. Ça, nous avons dit que c'est la première étape. Et là-dedans, notre joueur va apprendre les organisations de l'équipe au service, l'organisation de l'équipe à la réception des services, le soutien d'attaque, l'organisation de l'équipe en défense avec le 6 avancé, le 6 en arrière, le 6 au milieu, les différentes formes de blocs et surtout le jeu sur des balles faciles. Ça, c'est la première étape. Et ça, chaque entraîneur doit être capable d'insister dessus pour la première étape de la formation quand l'enfant a fini le processus de formation technique. La deuxième étape, ayant intégré les notions dans la formation précédente, l'encadreur insistera sur les exigences de la spécialisation dans le système 1-5
avec les acquisitions motrices en fonction des 6 positions du passeur, P1, P2, P3, P4, P5 et P6. La notion de spécialisation ici oriente les joueurs à la maîtrise technico-tactique de leur poste de jeu. Les encadreurs traiteront des aspects de l'organisation de l'équipe au service et en défense, en réception des services, en attaque et soutien d'attaque, en intégrant les 2 complexes de jeu que nous connaissons tous. Il est important de définir les priorités en attaque, priorité 1, priorité d'organisation de la réception, priorité 3, le service, parole, par poste et par capacité. Allons-y, Mohamed. So, now we will jump to the tactical training. So, it is split in 3 steps, and I am now developed the first and the second step. So, the first step, the player in the training process begins with the minor games of 1-on-1, 2-on-2, then 3-on-3, then 4-on-4, then 5-on-5, and then 6-on-6. In this step, the coach will insist on recruiting concepts such as the ball return, anticipations, rear front lateral movement, or the different displacement, the availability, the front and back pass or setting, etc. At the end of this training process, the player should be able to play all positions, especially on 0-6 system. And then he will jump to the organization, or we will jump to the organization of the service team, organization of the team at the service receptions, attack covert, etc. Defense team organization also with the advanced 6, with the rear 6, or with the 6 in the middle, with the block systems, return of easy ball, etc. Then after that, we will enter to the second phase or the second step. Having integrated the concept in the previous training, the mentor or the coach will insist on the specializations requirement in the 1-5 system with motor acquisitions according to the 6 position of the setter, P1, P2, P3, P4, P5, and P6. The notion of specializations guides players in the technical and tactical mastery of their gaming positions. The coach will deal with aspects of the organization of the team, service, defending, on-duty reception, offensive and offensive support or cover by integrating the 2 game complexes. And it's important, and it is important to define the priority 1, which is the attack, the priority 2, organization of the reception, the priority 3, the service versus block, by role, by post, and by capability. Yes, bless. Ato bless. Ato mayam. Okay. So, come now the third step. Donc, la troisième étape, il y a... Enfin, le problème est revenu. Donc, la troisième étape qu'on peut développer, donc, on rentre dans la spécialisation par poste de jeu. Et donc là, l'entraîneur intégrera les évolutions de haut niveau dans la formation du joueur. Donc cette évolution tient compte d'une composition d'équipe adaptée aux potentialités de vos joueurs, à savoir, donc pour les passeurs, il faudrait qu'ils soient calmes, respectueux, positifs, capables de jouer balle tendue, une courte décalée, courte avant-arrière, donc précision poste 4 et 2, timing de la pipe, et c'est très, très important. Donc, un passeur plus physique que l'autre. Et là, Mayen Blaise, donc, il a donné l'exemple ou le cas du Cameroun en utilisant 2 passeurs hein, pour justement avoir où ils ont 2 styles de jeu différents. C'est par rapport à cela. Donc, ensuite, les réceptionneurs et attaquants. Donc, il faudrait qu'il y ait un fort à l'attaque. Deuxième pointu, loin du passeur pour son utilisation en pipe. Plus facile à sa position délicate en réception, donc une fois en 1 au lieu de 2 fois. Donc, un athlète ou un réceptionneur fort en réception, donc le deuxième libéro proche du passeur, un complet capable de remplacer les 2 autres réceptionneurs attaquants,
Donc, un fort en réception par un passage arrière. Et donc, quatre réceptions en heure attaquant. Donc, ça, c'est le cas du Cameroun. Donc, il a la troisième spécialisation, donc les centraux. Donc, on va mettre deux forts au bloc, loin du passeur. Un fort à l'attaque et fort au service, à côté du passeur. Donc, un complet qui peut remplacer les deux autres. Donc, important. Hein, ça, c'est très important. Et puis, les quatre centraux, de plus en plus bloqueurs qu'attaquants. Et ensuite, donc, on a les pointus. Donc, il serait intéressant de mettre deux pointus sur le terrain. Donc, un pointu puissant jouant sur balle haute, un pointu plus rapide. Donc, insister sur le bloc en deux et la défense en un, donc pour ces pointus-là. Donc, on va le mettre en position 2 et en défense, il va se placer, on va le placer en position 1. Pour ces deux joueurs, donc, notion de motricité latérale. Donc, le service devient un élément important du jeu des pointus. Et enfin, on a donc les libéraux. Donc, deux libéraux, courage et lecture du jeu. Donc, il doit prendre de la place en défense en respectant les consignes. Quelques équipes utilisent deux libéraux et trois réceptionneurs attaquants pour avoir un remplaçant ou pour jouer sur la spécificité de libéraux défenseurs ou libéraux réceptionneurs en fonction des matchs. Donc là, on va dire que c'est une approche théorique du plan tactique. Et donc, comment, quelles sont les possibilités que nous avons en fonction des spécialités et comment on va les utiliser, comment on va les mettre sur le terrain. So, the third step, which is specialization by game station or game position. So, the coach will integrate high-level developments into the player's training. This development takes into account a team composition adapted to the potential of your players. So, namely, so the setters, they should be calm, respectful, and positive, able to play tight, short front and back, precision in 4x2. It's important to have a good timing on the pipe. One setter more physical than we have one setter more physical than another by a tall, by I don't know if he's left or right hand, etc. In the case of Cameroon, Mr. Blaise Mayam is using the two setters because of they are playing or they have two different style of plays. So then we have the receivers, attackers. So one strong attack, the second attacker away from the passer or from the setter, for its easier use as a pipe and its delicate position in the reception, once in one instead of twice. One strong in the reception, the second libero, close to the setter. We can also place it as it is. One complete capable of replacing the other. So two receivers, attackers. Then one strong in reception for a back passage or back, positions. So only on that, we can use it only in the on the back. So four receivers, attackers. And this is the case of Cameroon. So we have, or they have, four complete players or universal players, let's say. So then we have the middle blockers. So two strong in block, so far from the setter. Then one strong on offense and strong on serve next to the setter. Then one complete, which can replace the other two. So it can be universal. So, and then four middle blockers, more and more blockers than attackers. Then we have the spikers or the attackers or the universals. So two spikers, one powerful spiker or attacker playing on high ball and one spiker faster. Insist on the block in zone 2 and the defense in zone 1. So those are the on appelle les pointus. So the yes. For these two players, notion of lateral motor skills. The serve at that time becomes an important part of the spiker's game. So then we have the libros. So two libros,
they should be courageous and playing, they read well the play. They must take up space in defense by respecting the instructions. Some teams use two libros and three receiver attackers to have a replacement or to play on the specific libero defender or libero receiving, depending on the match. So this is mainly the orientations on the tactical aspect, or let's call it the tactical training. Then at the end, donc là en conclusion, Mayan Blaise il a mis quatre conclusions pour cela. Donc, ce sont les entraîneurs africains doivent respecter cette progression de formation et devront s'adapter au contexte de leur environnement. C'est important ça. I'm mute the microphone, ma'am. Le temps de formation est assez long, d'où la nécessité de commencer un peu plus tôt. Donc, troisième conclusion, il y a un impératif d'adaptation du style d'entraînement aux étapes techniques et tactiques. Et donc, enfin, les modèles d'entraînement intègrent les variations de la structuration des étapes, tout en respectant la philosophie de l'encadreur et des capacités des apprenants. Donc, suite. So, at the end, the conclusion from Mayam Blaise will be as follow. So, the African coaches must respect this training progression and will have to adapt or to adapt to the context of their environments. The training time is quite long, hence the need to start a little earlier. There is an imperative to adapt the training style to the technical and tactical stages. The training models integrate the variations in the structuring of the stage while respecting the philosophy of the mental coaches and the capacity of the learners or the players. So, I think now that we reached donc là on arrive à la fin de cette présentation. Et donc je crois qu'on va ouvrir le je vais Mohamed, je peux intervenir? Ah, très bien, parfait, parfait. Ah bah. So, voilà. Mayam will interfere or will intervene. Je voudrais dire que le problème des entraîneurs africains, c'est que quand ils ont terminé la première phase dans les étapes de maîtrise des habiletés techniques, ces entraîneurs entrent directement dans les phases de spécialisation, alors que le joueur doit passer par toutes les étapes que nous avons définies ici, c'est-à-dire que l'étape 1, l'étape 2, avant de passer à la spécialisation par poste de jeu. Je crois que les entraîneurs africains ont une déperdition de nos joueurs, parce qu'il suffit que l'enfant sache faire une touche de balle et une manchette pour qu'on l'amène directement dans la spécialisation par poste de jeu. Ceci est très important et je voudrais que tu en parles. So, very important remark and accurate remark from Mayam. That's a lot of our coaches, when they start the process, the steps to prepare the teams, so they jump from the first step to the third step to the last one. I mean that when they start to train the kids, as far as they just they feel that they can control, those kids can control a certain number of techniques or skills, they jump with them, we are speaking about the coaches, directly to the third step, the final step, which is the specializations. So the advice of Mayam is, you have coaches, you have to respect the process, you have to respect this procedure, because it's a procedure, a training procedure. So it's very important in order to give a big or a huge volume in terms of memorization, in terms of background, technical skills, and also maybe somehow the physical stuff. Yes, Maya, please. Ah. Je voudrais dire à Mohamed, merci. Mohamed.
please, just 1 second, please. Ma'am, please, ma'am, if they have any question, to prepare the questions, and we will let them appear and ask us the question after ma'am finished the session. Okay, okay, good. Vas-y, ma'am. Okay, je voudrais dire que je voudrais dire merci à Mohamed Benhamida parce que heureusement qu'il a pris le relais. On a beaucoup de problèmes de problèmes techniques ici avec les problèmes d'internet et pour le moment, je dis merci et nous attendons les différentes questions. So, I would like to thank everyone for this this webinar. It was difficult to work because of the technical issues, but at the end of the day, we could do it. And now, Mayam is waiting for your questions. Thank you. Okay, Mayam, I have the first question, please. I need you to tell us what about the future of Cameroon in I mean the senior team of Cameroon for the next few years. I mean, your opinion about and strategy of Cameroon to build a new team and what happened in the last 2 years. Voilà, je voudrais dire que l'équipe du Cameroun aujourd'hui a un projet à long terme. Nous avons, nous allons changer une bonne partie de cette équipe en intégrant les jeunes joueurs qui ont été formés dans ce processus par la Fédération camerounaise de volleyball. Et notre objectif est de participer à la Coupe du monde de volley et pourquoi pas aux prochains Jeux olympiques d'ici quatre ans. Nous pensons que le volleyball camerounais a une bonne base en termes d'opérationnalité dans la formation et dans les compétitions. Et nous pensons qu'avec le temps, nos objectifs seront de participer à la prochaine Coupe du monde et aux prochains Jeux olympiques. Mohamed. So Sherif, Mr. Sherif asked what is the future of the Cameroon national team, senior team? What is the vision and what will be next? So the answer is that there is a project in long-term development of the athletes, and Cameroon will start or is already starting to change some players. They need to integrate, and they will integrate young players who followed this process of training we spoke about. So, I mean, Mayam and his team, they are making or they're putting on the field this concept. It's not theory, but they are using it on daily basis. Then for this project, so the objective will be first the participation in the World Cup. This is one, and to be qualified and participating in the Olympic Games, the next Olympic Games, they have time, 4 years, so they can work normally. So they have, Cameroon has a good basis, and they are focusing on the training and the competition, both, development and promotion of the team. Thank you. Merci, Mohamed. So Paul is asking why Cameroon are only strong in senior and not youth junior category. So Paul Bitok pose la question suivante. Pourquoi le Cameroun est fort seulement en senior et pas en cadet, en catégorie de cadet et junior? Il faudrait dire que ce processus, le processus que nous avons mis sur pied au Cameroun est en train de prendre du temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un processus long
qui permettra à nos différentes équipes d'avoir un certain niveau, pourquoi pas un niveau africain, et même un bon niveau continental. Nous pensons que l'équipe senior travaille dans le cadre de ce que nous avons vu tout à l'heure, et que les autres équipes ne viennent que d'intégrer ce concept que nous pensons être bénéfique pour le volleyball camerounais. Et je pense que dans les prochaines années, nous pourrons avoir, s'il y a les moyens, d'avoir des équipes capables d'être performantes en cadet et en junior, en dame et en monsieur. Donc, comme il l'avait dit, ce processus d'entraînement, ce processus de préparation est très long. Et donc, par rapport à cela, on pense réellement justement avoir le niveau du moins continental en cadet et en junior. Mais pour cela, on a ces jeunes catégories viennent juste d'intégrer ce processus. Et donc, on commence juste à travailler dans ce sens avec ces enfants. Donc, afin justement de pouvoir être performant dans les années à venir dans les différentes catégories, pas seulement en garçon, mais aussi en filles. Donc, cadet junior garçon et cadet junior filles. So, I don't know if I translated in English. I guess it was in French, right? Donc, je me suis répété. I'm so sorry. So sorry. So the process, as you know, that the process, training process is long. It's a long process, and it will take time. So what is happening is that these young categories, they just started to use this concept of training. So we just started that with that, and we are aiming to reach the continental level in the next few years. With this process, not only in boys, but also in girls, youth and juniors. But the other condition will be the possibility to, let's say, to have the whole facilities and the whole equipment or tools in order to be performant. I'm so sorry, I'm a little confused by the languages. Une autre question? Any questions? Yes, Sherif, further. No, I'm just asking if anybody have any question. Yes, there is. Galaxy A5. This is the situation. So we have, I think that I have to mention it. To mention it, this situation is really that's a difficult for everyone, that people came late and he's requesting to send him notes during the webinar. No, you will receive that later on, please. And according to the lecturer. So there is a question from Mbanza Silvestre du Rwanda. Donc il y a une question, Maya. De Mbanza Silvestre du Rwanda. Pour la formation tactique et technique de haut niveau, où est-ce qu'on doit renforcer pour les filles ou pour les garçons? So the question from Rwanda, from Mbanza Silvestre, regarding the training, tactic and technique, high level, tactical and technical training, where we have to focus for girls and boys. Voilà, il est important de mettre un accent chez les garçons particulièrement et même chez les filles sur la maîtrise des habiletés techniques, c'est la première chose, du point de vue technique, et tout en sachant que chez les garçons, le ballon va plus vite que chez les garçons, que chez les filles, mais il est important d'abord techniquement de maîtriser les habiletés techniques pour avoir des réponses motrices adaptées à chaque situation de jeu. C'est la première chose. La deuxième chose, tactiquement, chez les garçons, on met généralement un accent sur le head-out. Et chez les filles, on met un accent sur les balles de transition, compte tenu du fait que actuellement en Afrique, les balles vont moins vite. Il est donc important de mettre un accent tout particulier
sur le ballon qui rentre du camp adverse, hein, tout en permettant à ses filles de se replacer sur leur position de départ. Nous avons constaté que généralement, quand elles sortent, la transition qu'elles ont techniquement et qui est très difficile, c'est qu'elles partent d'une position de défense pour revenir vers une position d'attaque. Ce changement est important pour les filles parce que c'est généralement difficile de partir d'une phase de préparation de défense à une phase de préparation d'une situation d'attaque. So, the answer is split in two aspects or two, let's say, two orientations. The first one, or the first focus, should be focusing on the skills. So we should have an accurate skills, especially when we know that for the boys, for instance, the ball is very fast. So the game is very fast. So we should have a mastering, or we should mastering the our skills. In general. So this is the first option. The second one, or the second focus, should be on the tactical aspect. So the first was technical aspect. The second one will be tactical aspects. So for the boys, as everyone knows, and because of the rhythm and the intensity of the game, so we should focus on the side out systems. So this is one. But for the girls or for the ladies, basically, we should focus on the transition work, and especially he gives the example of the girl should move from the defense position into attack position. So all that need work and need some focus. Yes, is there any question? Alors, une question de M. Belkacem El Hadj. Je pense que la première étape est l'apprentissage, ensuite la stabilisation, puis le perfectionnement pour la formation technique. Et ceci est valable pour la formation tactique. So, Mr. Belkacem El Hadj is just giving an opinion that guess that the first step in the training or learning is of the training is the learning, apprentissage, then the stabilization, and then at the end, the perfectioning. And it is valuable for the technical aspect of training and the tactical training. So need Mayam just words on that. So El Hadj, yes. On est à l'étape d'apprentissage, on est à l'étape de stabilisation, on est à l'étape de perfectionnement. Il est important de mettre dans cette trois vocales un ensemble d'opérations et de tâches qui permet à l'entraîneur de savoir s'orienter pendant son entraînement et de déterminer les différents niveaux d'acquisition technique de leur joueur, que ce soit du point de vue, quoi, ce soit du point de vue technique. La globalisation de la stabilisation sont des vocables dans lesquels des tâches et des objectifs à atteindre. Donc, tout ça, simply, if we have to make it simple, that is right. That there is this three phases or three steps, but the thing that we're speaking about making in place or building a process, an operational process. So this is the dilemma here. So we're speaking about the operations and tasks. So in order to have different acquisitions, because we have different acquisitions, different levels, different steps, etc. So we have to design all that in this aspect of learning,
learning, consolidation, and perfectioning. Mohammed, please. We have a question on Facebook from the coach Kassian Kabura. Good evening. At what age should the player start training? And also, he's asking about the tests. Donc, yes, Mayam. Hello, Mayam. Mayam. Unmute the phone, the microphone, ma'am. Unmute. Mayam, unmute the microphone. Mayam, mute. Mayam, est-ce que tu peux ouvrir ton microphone, s'il te plaît? أول حد كان بيسأل دخل معانا ولسه فاتح بس خرج. Okay, Mohammed, let me explain that I think we can start from 6 to 7 to 8 years old. It will be better. I think one of the problems in our continent that we start late. And this is not good for to arrive to the good level. To the good level. Please, guys, please. Could you please mute your phone, your microphone? Sorry, من فضلك اقفل اعملهم mute الناس الثانيين. Then I think in Africa we had a problem that we start very late, then we lose the most important time in teaching our players in the beginning, I mean beginners players, and then we start late at 13 or 14 years old, and we start to go to the competition in the continent competition and the world championships competition in 17, 16, and 17 years old. And we don't have enough good level of the skills and the tactical parts. Then we our performance became very, very bad. That's why we have to start very, a little bit early, at least at 8 years. And also on the other side, we have to talk about that in France, they have now baby volley from 4 years. But of course, it's a special program to build and to attract players to enter volleyball. And also the competition in France and in the good countries and the big countries in volleyball, the competition between sports is very, 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 very aggressive. That's why they try to start early, but it's not, teaching volleyball skills, but giving them drills to attract them to continue playing volleyball from early stage. Mohammed. Donc la question qui a été donnée à Monsieur Blaise et Caprice Chérif était à quel âge on peut commencer l'entraînement. Donc la réponse est il faudrait bien commencer vers l'âge de 6, 7, 8 ans maximum. Donc commencer l'initiation et commencer donc l'entraînement. Et c'est le problème qui se pose en Afrique, c'est que on commence en retard. Donc, il y a certains processus physiologiques et donc biologiques qui se mettent en place. Et donc, on ne tire pas profit de ça. Donc, du coup, nous avons des lacunes physiques et surtout techniques. Et donc, on voit ça pendant les compétitions internationales, donc des jeunes de 16 ans, donc pour les cadets et les juniors. Donc, on voit qu'il y a un décalage entre notre niveau africain et on va dire le haut niveau, le niveau de performance européen, par exemple. Et il vient de donner un exemple sur le programme français
où ils ont mis en place le baby volley. Et donc, ce système-là, donc c'est pour ça, les enfants commencent dès l'âge de 4 ans, mais ce n'est pas vraiment du volleyball. Donc, c'est beaucoup plus de l'exploration. So, they are exploring volleyball. Donc, c'est de l'exploration, c'est du jeu. Donc, c'est juste pour l'éveil. Non, on va dire l'éveil. Et ce système, il a été mis en place justement parce qu'il y a une très grande concurrence entre les sports. Donc, c'est très, très agressif, c'est très dur de pouvoir justement faire... Bon, c'est un, on va dire que c'est l'aspect promotionnel du volleyball qui fait que maintenant les sports ou le volleyball commence tôt. Donc, on le voit aussi pour d'autres sports où les enfants commencent dès le bas âge. Et donc, il y a des systèmes actuellement dans le monde entier où donc on partage les... Donc, ça, c'est un ajout, enfin, c'est une... on va dire une remarque que j'aimerais bien apporter. Donc, il y a des systèmes maintenant de le développement à long terme des athlètes où on divise la carrière sportive, on va dire, ou la vie de l'être, en 5 phases, voire 6 phases maximum. Et donc, il y a pratiquement une phase qui s'appelle 0 à 7 ans, donc, ou 0 à 5 ans en fonction des sports. Et donc, c'est cette première phase où il faut mettre l'accent. So I would like just to add one more word on the speech of Sherif, is that actually there is many countries as are developing the long-term development path career of the athletes. And the majority of those studies or those programs, and we have one, we developed one already, so that there is, they split this process or the life of the athlete, of the person, in 5 or 6 maximum steps. And one of the steps is the 0-5 or 0-7 years. So just to show that the precocity. So the people start sport activities very early and earlier. And even with the pregnant moms, they are also using some activities in order to be in shape. So this is the just addition. Is there any other question? Yes, Mohammed, there is a question from Zaytouni, but is. In French, I think you can answer the question, please. And also we have another question will be from Paul Bitouk. He arrived with us now. Okay. I think after we finish Zaytouni, you can give him the floor to ask. Okay. By the way, I would like to give the apologize of Mayam because he's just sent me a message on the phone that the electricity power is off according to a very heavy rain. That's why he's not able to join us again, and we have to continue and to finish after the next 2 questions. Okay. Donc là, on s'excuse auprès de tout le monde. Mayam Blaise, il a un problème donc d'électricité. Donc il y a une grande tempête. Et donc voilà. Donc on va continuer sans Mayam. C'est son travail de toute façon. Donc on tient à le remercier. Et donc là, il y a une question de Monsieur Zaytouni. Donc j'espère que c'est Samir Zaytouni. Je l'espère. Si c'est le cas. Donc, je tiens à lui dire bonjour déjà. On aura peut-être l'occasion de discuter. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Malgré le potentiel énorme que possède le joueur africain en général, qui rivalise en catégorie jeune avec toutes les catégories, les équipes mondiales, malheureusement, son niveau compétitif ne peut égaler celui du joueur senior européen ou américain ou brésilien. Je pense que l'entraîneur africain n'est pas le seul responsable de cette situation amère. Pouvez-vous donner d'autres solutions? So, the question is that there is no big or huge difference between the youth players, African players versus European or American, physically and maybe sometimes technically, but the difference is made during the senior step, when they pass to senior category. Here we can find the big difference. So the question is, he said that the problem is
is not only or the response is not only the coach. I mean, it's not only problem of coaching, but he's asking if you can give or if you can have your opinion on that and what can be if there are any causes, any other causes. Sharif. I think Mohammed, I think the problem, as he told us, Zaitouni, there is no difference between the our players, junior players or youth players, but the problem coming from starting from the senior stage, I don't agree about that. The problems starting from the beginning, especially in the majority of African countries, they don't have many volley. They don't have competitions for the youth and juniors. Regular competitions. But in all cases, if any country, like Rwanda, by the way, start to have some competitions, they improve a lot. And we have with us Paul Bitu can tell us more information about that. And on the other side, when we continue developing players from young stage, I mean, from many volley till they arrive to the level of senior teams, we must have at the end a ceiling that each country must have their own, senior competition. And the level of competition must be in a good level. By the way, from few years, I had the occasion to conduct a course in Zimbabwe and also in Uganda. And I spoke with them in Zimbabwe and Uganda and Kenya. And in Zimbabwe, I asked them in Zone 6 to make their own league between the countries there. They can work together. Then the league will be stronger and every club will have a good level of competition. Then the players will improve a lot. Also, I said to Uganda and Kenya and Tanzania and Rwanda and so on, we can do the same in this zone. They can also make their own league, and then the level will be better and better. Then we can improve the level of players. Also on the other side, we can send the good players to play in the professional leagues, like what Uganda did. They have now two players, very, very fantastic players. Also before Kenya, they did the same. And they have some players playing in the, and also Cameroon is doing that, by the way. I think also this is one of the ways to send our good players to work there. But in all cases, I think we have the good quality of players. If we have a good, conditions, they can appear, they can fly. Thank you, Mohamed. Donc, il n'est pas d'accord sur le fait que nous avons un niveau égal au niveau des jeunes, catégorie niveau égal aux joueurs européens ou américains, et pour la simple raison qu'il y a beaucoup de lacunes dans le continent. Donc là, par exemple, on prend le cas, il a pris le cas du mini volleyball qui est pratiquement, on va dire, inexistant dans le continent. Donc, donc il n'y a pratiquement pas de, on va dire, pas de développement ou pas de, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas précoce, la formation n'est pas précoce. Donc, il y a aussi le deuxième aspect qui est donc le volleyball à l'école. Donc, ça peut être une solution. Qui n'existe pas dans tous les pays. Nous avons aussi donc un manque crucial, si ce n'est pas une absence, des compétitions au niveau national, donc régulière, donc un championnat au niveau des jeunes, etc., régulier. Donc, il parle là en général. Il y a des pays où ça existe. Donc, ça, c'est très, très, très important. Il a fini par donner un autre aspect qui est donc l'envoi de joueurs. Donc, à partir du moment où nous aurons des joueurs de haut niveau, et ce qui s'est passé maintenant au Rwanda, donc
la possibilité d'envoyer des athlètes, des joueurs pour une carrière professionnelle. Et donc ça, ça peut aussi aider au développement des équipes nationales et du volleyball national. Il a eu l'occasion de, Chérif a eu l'occasion de faire des cours au Zimbabwe et au Luganda. Et donc, il y a une proposition qui peut être, on va dire, qu'on peut générer ou peut étendre au niveau des autres zones. Donc, il avait proposé à cette zone, la zone 6, de non seulement développer une compétition, un championnat donc national au niveau des catégories, mais aussi de pouvoir développer une ligue ou un championnat inter-pays, on va dire, de la zone 6. Donc, les pays de la zone 6, ils peuvent faire aussi développer leur compétition. Et donc, ça ne passera que par cela. Ça ne passera que par un niveau de compétition élevé et surtout consistant et régulier. Voilà. Yes, Sherif. Mohamed, I think I mean by zone 6 or zone 5, the clubs, I mean the best 2-3 clubs, they can work together, play together in a special league for them. And donc, now we have with us Paul Bitouk. Best translation, Mando Hada. Donc, c'est juste une précision de Chérif. Donc, quand il parle de la zone, donc, bon, la zone 6, il parle au niveau des clubs. Donc, pourquoi ne pas faire un championnat des deux meilleurs clubs, on va dire, par pays. Donc, just here, Chérif, I would like just here to just add something that on the 17th, not yesterday, on the 17th, there was in North Africa, there was in volleyball, the Maghreb Championship. And it was clubs, and it was early. So, donc il y avait par exemple au Maghreb, donc il y avait le championnat dans les années 70, il y avait le championnat maghrébin de volleyball. Et donc ça a donné des athlètes. Yes, Chérif. We would like to welcome Paul Bitouk, successful and good coach in Africa. We're proud of having him today with us. He's coaching, of course, the team of the women team of Kenya, and he qualified to Olympic Games. And we are all of us are supporting him for the next important event. And I would like to ask him about if he has any question. This is first, and give us your experience in 1 or 2 minutes about Rwanda. What he did in Rwanda, because he's the head coach of Rwanda in indoor and beach volleyball together. That's why the floor for you, Paul. Thank you. Thank you, Chérif. First, I would like to thank you and also CIVB, also Mohamed and Mayam for the great work that you are doing. This is something that has been going on for the last 2 months, and we appreciate and we thank you for this. I wanted to ask a question, Coach Mayam, but he is not there. My question was actually, what Paul, is... We can hear you. You can hear me? Paul. Yeah, you can hear me? Yeah, go ahead. Yes, my question actually was supposed to go to Mayam. I wanted to know the experience for the national team of Cameroon. Sometimes they do very good, even becoming the African champion, and sometimes they can go up to position 4. It is not consistent. So I didn't know if it is a problem of the players being away, not training together, but Mr. Mayam is not here. I will go direct to my experience in Rwanda about the development of the Rwandan volleyball. And as Chérif said, we worked very hard. We started Paul, youth and Kenya. Paul, please. Can I just translate the first part? Because you will close it. Okay. Donc, la question de Paul à Mayam, malheureusement, il ne peut pas répondre, mais bon, elle restera ouverte pour Mayam.
c'est qu'il a relevé que l'équipe du Cameroun était instable en termes de résultats. Donc, il aurait souhaité savoir pourquoi cette instabilité. Donc, ils sont champions, ils sont deuxièmes, ils sont quatrièmes. Et donc, est-ce que, pour Paul, est-ce que peut-être ce n'est pas le fait de ne pas s'entraîner ensemble, peut-être. Donc, peut-être il y a d'autres causes. Et donc, il aimerait bien avoir l'opinion de Maya. Donc, ça viendra plus tard. Yes, Paul. Go ahead. Merci. Now, my experience when I arrived in Rwanda in 2010, we agreed to start the program and we started with the youth and junior. Because I knew the journey could take us more than 5 years, so I accepted to work with schools. That was the first program that we had as a federation. In East Africa, not alone in Rwanda, there is no club with the youth and junior. It's different from the North African countries or in Europe. So what I decided is how can we work with schools? So we managed to have the excellent centers where we picked all the volleyball players in the youth and junior category, and we put them in different schools where I could visit them and have some few coaches working with them. And it is not easy in East Africa to have a senior coaches who can work because of maybe funding. So I was lucky. I had a contract with Rwanda and I was assigned with the national team. So anytime there is no national team assignment, I could go to schools and work with the junior from there. You can translate that one fast. Yeah, please. Yeah, thank you. So, donc, la question de Shérif à Paul, c'était l'une des questions, c'était s'il pouvait parler de son expérience du Rwanda. Donc, pour Paul, c'était un défi dans le sens où dans ces zones-là, dans ces régions-là, donc en Afrique de l'Est, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de système de club. Donc, c'était le premier challenge, la première difficulté. Et donc, il a eu cette chance de pouvoir travailler donc, comme ligne de mire. Donc, il devait travailler avec les cadets et les juniors. Et donc, il a eu cette chance d'avoir donc, un contrat, on va dire, sur 5 ans, donc, où il pouvait vraiment mettre en place tout un programme. Et donc, un problème qui était basé sur le volleyball et l'implémentation, l'intégration du volleyball au niveau scolaire et pas club, puisqu'il n'y a pas de système de club. Donc, il y a eu cette possibilité. Mais le challenge, le problème qui se posait, c'était le problème aussi donc des fonds, etc., pour les entraîneurs. Mais en fin de compte, donc, il a pu mettre en place un programme. Il a pu aussi mettre en place un programme pour la formation aussi des entraîneurs, on va dire, teachers, des entraîneurs enseignants. Et donc, voilà l'expérience en gros. Yes, Paul. Yeah, so Mohamed, please, time out, please. I think I asked Paul because this is another approach. I mean, it's another approach from the clubs that Paul start to take the approach of schools, and then from schools, then they go to university or to when they arrive to the senior, they can play in the senior clubs to avoid any problems in funding the clubs and so on. Then we are trying to give some. Extraordinary. The normal basis and the normal. Ideas that work in the clubs and go to the senior team. No, now what Paul gives us is another approach. Okay, Paul. Donc, pourquoi Shérif a posé cette question à Paul pour le Rwanda? Parce que là, c'est une deuxième approche ou c'est une autre approche. Pour passer donc d'un niveau au haut niveau, donc passer par le volleyball à l'école. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée. Yes, Paul. Yeah. So after having this excellent sentence, so I used also the holiday. I bring all the players that we have selected, the best one from those excellent centers, and we coach them every time there is an holiday in April, August, and December.
And then our government of Rwanda accepted to sponsor the youth and junior in all the competition. And this is how we started now participating and exposing the players. The same players, after 5 years, some joined some of the clubs. And this time also, I came up together with the Federation of Rwanda. We agreed to form the second division, where we included all the schools as excellent centers participating in the national league. And then after now participating in different competition, the local, we managed to participate also in East African school competition with Kenya, Tanzania, Uganda, and the same players managed to be in the national team and qualify during this time for the World Championship in different categories, in beach volleyball, in the indoor, and youth and junior. So we participated in the, for the first time, Rwanda participated in the World Cup and also in the World Championship. Donc, on ne s'arrêtait pas juste là. Donc, une des phases cruciales, c'était justement d'utiliser les trois périodes de vacances, donc avril, août et décembre, pour justement faire un entraînement, on va dire, poussé, avec ces jeunes-là, donc sous le monitoring de Paul et donc de son équipe. Et donc, suite à ça, il y a eu l'intervention du gouvernement qui a bien voulu justement financer ce projet. Et donc, là, il a proposé justement de lancer un championnat de deuxième division au Rwanda. Et ce championnat-là qui va, englober toutes les écoles, donc ça sera un inter-école, on va dire, ou scolaire, donc le volleyball scolaire. Et là, donc la troisième étape, c'est justement de participer avec le Kenya, avec les autres pays de l'Est, de l'Afrique du l'Est, de l'Est, dans le championnat scolaire de volleyball. Donc, et ça a été mis et pour le volleyball et pour le beach volleyball. Donc là, à partir de là, on a commencé à voir nos équipes nationales participant dans les différents championnats du monde, entre autres, donc les derniers championnats du monde. Voilà. Okay, Paul, I would like to thank you, Paul, and good luck for Malika team. For if you, I can finish, if you can give me one please, minute, Sharif. Go ahead. Yeah, I wanted to tell other coaches that if we could have, we did in 8 years. That's when the Rwanda became the African champion in beach volleyball girls, and we managed to participate in different categories in the World Championship. It is possible for other countries to do. You must accept what you have. What can you do? Don't wait for the big things to give you results. Let's work with what we have. And I believe that we can achieve, all of us. Thank you very much for everyone, and all the best. Thank you, Paul, donc, and good luck, Mohamed. So, the last word is, donc le dernier mot de Paul Bidock, et là je le rejoins, c'est de nos entraîneurs, travailler avec ce que vous avez. Donc, si le Rwanda a pu arriver à ce niveau-là, donc ça voudrait dire qu'il y a d'autres pays qui pourront arriver, et nous n'avons pas à attendre jusqu'à ce qu'on ait toutes les conditions réunies pour pouvoir faire quelque chose. Donc, dès le départ, là, il faudrait que, justement, on trouve des idées, on trouve des orientations pour le faire. Donc, j'aimerais bien juste ajouter quelque chose de très important. On a pris, justement, une initiative pour le beach volleyball où on est en train maintenant de préparer carrément un programme d'éducation, d'apprentissage d'éducation pour le beach volleyball au niveau de l'école en Afrique. Donc, ça sera dans le cours de l'éducation physique. Donc, on est en train de préparer le concept. Ça sera prêt peut-être avant la fin de l'année. Ça sera prêt. So I would like just to add one thing according to what Paul proposed or said, that actually we are preparing a huge project called beach volleyball in school. It's not activities. No, we are preparing the curriculum at all. I mean, so we will develop for every single country his curriculum according to
his specificity and according to the national rules and regulations and laws. So it will be, normally it will be ready before the end of this year. Yes, Sharif. Okay, I think we arrived to the end, but I need if any coaches with us now, if anybody want to ask any questions at the end before closing the webinar. Yes, Sharif, yes. Please, come. I would like just to welcome my brother, long time ago, Samir. I'm really surprised. So thank you, Sharif, for this opportunity because of the webinar. Great. Donc j'aimerais bien juste dire bonjour et puis donc féliciter mon ami et mon frère Samir. Je n'ai pas vu depuis des années, c'est des lustres. Donc, bon, toi, tu as les cheveux blancs, moi je n'ai plus de cheveux. Mais sinon, bon, ça va, donc on vit. En tant que ça, Samir. Donc, c'est kiff, la même chose. Là, ça m'a fait un grand plaisir. Merci qui est juste Kagda. Mais j'aurais bien aimé que Meloul, c'est-à-dire, on m'en connu comme observateur, c'est-à-dire, on aurait dû participer. J'aurais donné plus d'amples, c'est-à-dire, solutions. Parce qu'on a okay. Vu notre petite expérience en senior, vraiment, elle a dit que les adultes passent une situation amère et on peut mieux faire. Avec le potentiel que le joueur africain en général, hein, que ce soit okay. L'Afrique noire ou l'Afrique du Nord. Donc, on se reverra, Inch'Allah, dans d'autres situations. So, what Samir now explained that he would like, if we can, through this system of webinars, if we can join people, we can just meet people in order to give their feedbacks in terms of their experiences. So, and this opportunity, I mean, it's a unique opportunity for everyone. So I think that Sharif will, for volleyball, Sharif maybe will manage that, and I'm sure that he is happy with that. From beach volleyball, yes. I'm trying to do it. And we will, inshallah, we will do it, and we will for sure, we will share our experiences. Yes, Sharif. Okay, thank you, Mr. Samir. And also, I would like to thank my brother, Mohammed. I'm asking again if anybody have any questions before closing the webinar. Si vous permettez. Monsieur, je voudrais d'abord saluer tout le monde. C'est M. Sharif, M. Benhamida, mon ami Paul. On a travaillé ensemble au niveau du Rwanda pendant un mois. Bon, j'ai le même sujet que M. Zitoni, c'est-à-dire qu'on a aimé participer dès le début pour peut-être apporter un peu plus d'éclaircissement, pour apporter un peu plus de. Surtout ce point de la sélection, de la détection dont on n'a pas parlé. J'aurais souhaité dès le début peut-être refaire le même webinaire avec peut-être un sujet beaucoup plus vaste. Je vous remercie encore une fois. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. So, Al-Hajj, donc, so the. It is in the same way that he would like to just organize another meeting and as a discussion or workshop because he feels that yes, it is important. The process is important, but what is also important is the detection and the selection of the kids of the players. So they would like to share their experience through this platform, inshallah. Yes, Sharif. Okay, it's a good idea. Thank you, Mr. Belgasem, Haji. And I think we will do that very soon. And at the end, I think, Mohammed, if you don't mind, I would like to thank everybody. I would like also to thank Mayam. I think he had a problem. Again, I am raising the problem. He has a heavy rain in his city in Cameroon. And the power of electricity off, and he couldn't continue with us, then we would like to thank him again and thank everybody here. I would like to thank my brother Mohammed for what he did today and also for the previous efforts every time. I would like to thank him a lot. Also, I would like to announce that we will have a big surprise very soon coming from Mohammed Benhamida and for the beach volleyball coaches.
And we will announce that in the next few days. It will be a very important step and unique step in beach volleyball. And I would like also to thank him again. And we will see and we will listen and we will read and we will watch the surprise that I don't like to say now. Also, I'd like to thank Mr. Tarek for his efforts. Also, to thank CVB colleagues and Dr. Alwani and all the board and the everybody. And at the end, we can finish now. And thank you very much tonight. And we are waiting for you as an African instructor and an important coach in Africa. And all the best for your next patients. Thank you very much. Donc, merci pour tout le monde. Je vais faire très, très court. Il tient à remercier l'équipe du CAVB donc pour son travail colossal. Il tient aussi à remercier donc, tous les entraîneurs africains, toutes les personnes qui collaborent et qui œuvrent pour le bien du volleyball continental, donc de près ou de loin, directement ou indirectement, dans toutes les fédérations nationales, tous nos entraîneurs. Merci, Bermeda. And we will see you. Donc on va vous voir prochainement avec d'autres surprises. Voilà. OK. Sherif, if you can close. Surprise, please. Ah, donc il y a tell about the surprise, but don't... Là, il a compris que je n'ai pas parlé de la surprise. Donc je viens de mettre une petite surprise pour le beach volleyball. Donc pour le bien, c'est juste pour changer le quotidien de nos entraîneurs. Et donc, on va l'annoncer, Inch'Allah, on va l'annoncer prochainement, Inch'Allah. Donc, c'est un petit test et on va Inch'Allah, l'annoncer. Et puis, bon, ça sera bénéfique pour tout le monde, pour tout le monde. Et ben, je suis très content. Et puis, bon, Inch'Allah, que tout le monde en tirera profit. Voilà. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Thank you very much. Goodbye. Samir, tu n'as raté ça, Samir. Samir, envoie-moi ton email. Je vais t'envoyer mon email.